Tout bascule lors d'un dîner à l'Élysée. Il y a Brigitte, il y a Emmanuel Macron, et là on parle de la PMA et on parle de la France. Il maintient que la colonisation est un crime contre l'humanité, il maintient qu'il n'y a pas de culture française. Il m'explique que de toute façon la GPA c'est inéluctable, etc. L'euthanasie et tout ça. Donc je lui dis, vous êtes en train de détruire la société, Emmanuel. Donc je vous laisserai pas faire. Je lui dis, en fait, vous avez réalisé la dernière étape dont parle Jean Monnet dans sa conclusion. L'Europe de demain, l'Europe unie, ne sera qu'un palier pour aller vers la gouvernance mondiale. Il me dit, oui, je pense. Je le découvre tel qu'il est, européiste, c'est-à-dire il ne veut plus de la souveraineté française. Il n'y croit plus. Mondialiste, il pense que la France est un morceau du marché planétaire de masse. Et multiculturaliste, c'est-à-dire qu'il fait de la France un terrain d'expérimentation pour une société multiculturelle, donc multiconflictuelle. Donc cet homme est dangereux. C'est un déconstructeur. L'autorité a disparu. L'identité avec Macron, il n'y en a pas, puisqu'il n'y a pas de culture française, donc il n'y a rien. Donc la France n'est plus souveraine. J'avais un ami qui disait, ben moi je vois autour de moi, l'usine qui se démonte, la mosquée qui s'installe et le porte-monnaie qui se vide. Voilà. En fait, c'est un alchimiste. Alors, il y a Brigitte qui regarde les corps nus. Vous croyez que c'est volontaire? Ah oui, tout à fait. Oui. Il n'a pas le goût de la France. Oui. Il a le goût du monde. C'est un Young Global Leader de Davos. C'est un mondialiste, profondément mondialiste. Il est fasciné par les GAFA, tout ça. Il faut jamais oublier une chose. C'est Emmanuel McKinsey. Quand on disait, pour arrêter la pandémie, il faut rétablir les frontières, il disait, le virus n'a pas de passeport. Le passé récent a démenti tout ce que croyait et contredit tout ce que croyait Macron. Le retour du tragique, la frontière, la souveraineté, l'interdépendance, le doux commerce. Ça, c'est fini. Il a tout faux, en fait. Je voyais très bien ce qui se passait. Le chat jouait avec la souris, mais la question, c'est de savoir qui était la souris. Qui est la souris? Le chat, c'est moi. Et quand je dis la souris, c'est un souriceau. C'est un enfant. Il me rappelle le mot de l'Ecclésiaste, « Malheur au royaume dont le prince est un enfant ». La caractéristique d'un enfant, c'est qu'il joue, il parie, et en même temps, il casse son jouet. Donc je l'ai observé, je l'ai accompagné, je vais vous faire une confidence. Il m'a toujours amusé. Sauf que maintenant, il ne m'amuse plus parce qu'il est en train de détruire la France. Il suffit de voir son meeting, le dernier meeting. On est dans une mise en scène. La presse a dit... Super Bowl, c'est ça. Alors il va d'un prompteur à l'autre. Un mec qui, au bout de 5 ans, a été président de la République et qui a 4 prompteurs, dont un où il dit Brigitte, sur sa femme, il est le prompteur. Donc il n'y a pas un brin de spontanéité, en fait. Mais c'est McKinsey Saint-Simon. Oui, le Saint-Simonisme. J'ai appris ça à l'ENA. La doctrine de Saint-Simon. Qui dit il faut substituer à l'administration, au gouvernement des hommes l'administration des choses. C'est le scientisme. Donc il y a ça chez Macron et McKinsey, donc il y a l'idée qu'il vaut mieux confier le pouvoir à des cabinets comme un immortel. Mais la première chose qui m'avait frappé quand je l'avais vu pour la première fois, c'était son côté enfantin, prime sautier. Et il m'a dit, je prends mon risque. C'est pas une formule normale, ça. Je prends mon risque. C'est une formule de parieur. Si vous voulez, il me prenait pour un Mohican. Il cherchait la plume. Et moi, je le prenais pour ce qu'il est, le parieur du Touquet.